エクスプロージョン。Don't do that.Oh, I don't think so. Bonsoir les amis, c'est Startix et on se retrouve maintenant, aujourd'hui, à l'instant, pour cet épisode d'Undertale. Après, depuis le dernier épisode, j'ai reçu en commentaire des gens qui me disaient, enfin plutôt une personne qui m'a dit du coup que c'était peut-être mieux que je faisais des petits épisodes de 20 minutes d'Undertale. Et bah du coup j'ai pris en note et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc en gros, un épisode serait... la distance entre les deux points de sauvegarde, voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Donc là, on s'était retrouvé ici. On avait fait la rencontre de Sans et son frère l'autre squelette. Et donc ici, il est marqué, c'est une boîte. Tu peux mettre des items à l'intérieur ou prendre des items de ce coffre. Donc je pense que... Yes, encore un mob. Je me pose une question, est-ce qu'on peut lui dire un truc? Alors check, rigoler, raconter une blague, on va check. D'accord, bon, c'était pas si compliqué, hein, somme toute. On va lui raconter une blague, vous savez quoi. Parce qu'on est très gentil. Mais... Alors. Il a pas l'air de rigoler, d'accord. Okay. Et bah, c'est de sa faute, hein, il avait qu'à rigoler à mes blagues et ensuite je l'aurais épargné, écoutez. Hein. Et poum, tiens, prends cher. Ouh, bah, dis donc. Elle te plaît cette blague, peut-être? Waouh, regardez-moi ce pro d'esquive, wesh. Incroyable. Et bon, bah voilà, c'est une victoire. Love increased. Donc, je propose monter. Ah non, juste avant de checker la box quand même. Use the box, yeah. Alors, il disait que c'est une box qui nous permet tout simplement de stocker des choses à l'intérieur. Et donc, si la prochaine fois, enfin plus tard dans l'histoire, on retrouve une box, on peut la récupérer. Mais honnêtement, vu qu'on quand on meurt, on perd pas nos affaires parce qu'on revient au dernier point de sauvegarde. Ça sert à rien de stocker des trucs à l'intérieur. Donc, on va prendre ce qui est à l'intérieur. Voilà, j'ai pris item... J'ai pris des gloves, soft gloves. Gloves, c'est des gants, et soft, c'est peut-être des gants de laine. Voilà, j'ai équipé des gants de laine. C'est bien.
Oh, c'est joli. Et on va pêcher un Magikarp, c'est parti. Ouais. Ok, donc là il disait, enfin, il a appris, il a regardé ce qu'il y avait au bout de la ligne. Et au bout de la ligne, il y avait un numéro qui disait appelle-moi. Et j'ai pas décidé de l'appeler. Voilà. Oh, va se cacher, va être prudent là. Et je suis sûr ils nous ont pas encore vus. Ok, donc là il dit ouais. Alors, ce que je disais à propos de Undyne, je sais pas ce que c'est. Incroyable. Sans! Oh mon Dieu! Est-ce que ce serait un humain? Ah non, moi je pense pas. Hein. Où est-ce que vous voyez un humain? Actuellement, je pense que c'est une roche. C'est une pierre. Oh! Hey! Hey, mais qu'est-ce que c'est le truc devant la roche? Oh mon Dieu! C'est un humain! Ah oui. Oh my God! Sans! Je l'ai finalement fait! Undane va. Je vais devenir populaire, ouais, populaire. Humain. Tu ne vas pas passer à travers ce paysage. Moi, le fabuleux Papyrus, le maléfique Papyrus, va te stopper. Je vais ensuite te capturer. Et tu vas être donné à la capitale. Et après? Et après? Je suis pas sûr ce que je vais faire après. Dans tous les cas. Continue seulement si tu veux, je crois. Bon, ça s'est bien passé. Don't sweat it, kid. Ça, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais garder. Je vais garder un œil pour quelque chose. Enfin, moi, je sais pas trop quoi. Voilà, bon, en tout cas, ça s'est somme toute bien passé. Je ne comprends pas pourquoi elle a pas. Enfin, il a dit, ouais, tu ne passeras pas, mais ensuite il s'est barré, donc. D'accord, on va continuer. Hop. Ah, ça m'appelle. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait notre numéro, et c'était quand même. La vache, là, comment elle s'appelle? Toriel, voilà. Oh mon Dieu! À l'aide! J'aimerais donner un une pizza avec les toppings, je sais pas vraiment ce que c'est. Je les ai copiés, je vais juste vous les passer. Your phone is told all. Ok, donc comme ça, nos téléphones ils sont trop vieux pour recevoir des SMS qu'on n'a pas reçus. Il est écrit que. Caractère par caractère. En ASCII Art. Je crois que c'est un langage. C'est une sorte de langage de programmation. Mais là, c'est genre les smileys, je crois. Vulgaire les smileys. Enfin bref.
4 killer, ok, donc il nous a envoyé un petit emoji ou un truc dans le style. Ok, j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Oh. Il ressemble un peu à Pew là dans Fairy Tail. Bon, vous l'avez peut-être pas vu le manga, mais voilà, je vous mettrai une image. Hop, acte. Je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer. C'est le non-respect. Alors, tu as managé. Non, c'est pas ça la traduction. Bon, enfin bref. En gros, j'ai dévisagé. Oui. Oh putain. Oh, je m'y attendais pas à ça. Il est plutôt. What? Quoi? Mais j'ai pas Z moi, putain. C'est X pas Z chez moi. Oula, oula. Oh merde, j'ai raté. Plutôt chaud à battre lui. Mais comment j'ai pu louper? J'ai cliqué là-dessus. Mais j'ai cliqué! On est sous de moi. D'accord, j'ai compris. En fait, je cliquais sur le mauvais bouton, je cliquais sur A. En fait, pour moi, A, c'est Z. D'accord, c'est pour ça que ça marchait pas. Ouais, bon, des petites erreurs qui arrivent. Qu'est-ce que c'est, ça? Une pizzeria? Non, je crois pas. Il y a des petites narrations, d'accord, sur la carte principale de la boîte. Tu observes la fantastique Craft Sentry Station. D'accord. Je parie que celui qui l'a construit était très glorieux, famous, ouais, glorieux, très connu, populaire, Royal Guardsman. Donc c'est probablement Papyrus qui l'a fait parce que... Parce qu'il a toujours tendance à se vanter et tout, en tant qu'il est fameux et tout, et glorieux. Donc voilà, je pense que c'est... Bon, je vais juste me restaurer un peu les PV et je continue l'histoire. Tac, tac, tac. Hop. Génial. Merde. Mais quoi? Là, pour le coup, je pige pas. Avant, lui, il fallait pas cliquer sur Z pour l'attaquer comme ça. Pourquoi d'un coup il le faut? Ça, je ne comprends. Peut-être que s'il est au gant. Peut-être à cause de gants, ouais. Je vais voir si j'enlève les gants, si ça fait toujours ça ou pas. Oh, je m'en suis pris un. Hop, c'est parti. D'accord. Si. Item. D'accord, je viens de comprendre en fait. Avant, on avait un couteau, enfin un jouet couteau pour se défendre, pour attaquer et faire plus de dégâts. Là, je l'ai enlevé et à la place, j'ai équipé les gants. Je pense que les gants, ça agit un peu comme comment dire, des gants de boxe. En gros, faut que je frappe plusieurs fois pour faire des dégâts. Et ça a l'air de faire plus de dégâts, donc je vais le garder pour l'instant. Je continue. Hop. Oups. Voilà, ça fait un tout petit peu plus de dégâts quand même.
Et hop, 53, c'est parti. Tac, on continue. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Absolument pas de mouvement. D'accord, bah je continue. Ah, c'est Shipper ça. Hein. Tu croyais que je l'avais pas vu ? Bien sûr que si, je l'avais vu. Shipper. Riding something more. Là, il dit : pourquoi est-ce que quelque chose a bougé ? Est-ce que c'est seulement mon imagination ? Je ne peux seulement voir les choses qui bougent. Si quelque chose était en train de bouger, par exemple un humain, il devrait mieux ne plus jamais bouger. Et voilà. Dogo blocks the way. En gros, Dogo c'est le nom du gars et il nous bloque le chemin. Bah écoute, Dogo il va en prendre plein la gueule. Oula. D'accord. Écoute, tu sais ce qu'est un bon chien, c'est un chien qui est couché, donc voilà, couché. J'ai gagné, pauvre Dogo. Eh, j'aurais peut-être pas dû le buter, j'aurais dû lui parler. Bon, c'est trop tard, je l'ai fait. Ah, ok, j'arrête. Hop. Il est où Dogo? Il est plus là Dogo? Oh, pauvre Dogo. Oh, des conquêtes. Oh Sans, salut toi. Hey, ici il y a quelque chose de très important à se souvenir. Mon frère, a une attaque vraiment spéciale. Si tu vois une attaque bleue. Si tu vois une attaque bleue, ne bouge pas et ça ne va pas te faire de dégâts. Voilà une façon très simple de le garder en mémoire. Imagine un signe où il y aurait écrit stop. En gros, un panneau où il y aurait écrit stop dessus. Quand tu vois le panneau où il y a marqué stop, tu arrêtes. Enfin, tu te stops quoi, n'est-ce pas ? Les panneaux de stop sont rouges. Maintenant, imagine un panneau de stop bleu à la place. C'est simple, n'est-ce pas? Quand tu combats, pense à propos des blue stop signs, donc les signes, enfin les panneaux bleus, et nous l'écris en jaune. C'est génial. Je pense qu'il essaie un peu de nous perturber. Enfin, je sais pas si je peux lui faire confiance en fait. Je sais pas si il nous le dit pour qu'on prenne le dégât ou s'il nous le dit vraiment comme conseil. Enfin, ouais, je sais pas trop. Oh, un doggy. Allez, tiens, doggy, prends ça. Oh là 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 là, l'enfoiré. Hop. Couché. Oui, d'accord, c'est comme dans Pokémon du coup, ok. Hop, qu'est-ce qui est marqué ? Nord, alors au nord il y a de la glace, au sud il y a de la glace, et ouest qui correspond à. C'est quoi ouest déjà ? Je crois que c'est ouest. Ouest. Oh, je sais plus. Oui, c'est ouest, le ouest. Et du coup, à l'est, il y a Snowding Town. Et de la glace. Donc il y a un château et de la glace, je crois. On va monter du coup. Hop. Un bonhomme de neige. Oh, c'est joli. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. Je voudrais voir le monde, mais je ne peux pas bouger. Oh, c'est triste. T'inquiète pas Olaf, on va te faire bouger. Si tu voudrais être sympathique,
tu veux, si tu pourrais être, non, si tu voudrais être un passager sympathique, s'il te plaît, ou ouais. Là, il demande si il pourrait être, enfin, si on pourrait être sympathique et on pourrait le faire voyager très loin en lui prenant un bout de sa neige. Bah écoute, tant qu'il nous agresse pas, ok. Merci beaucoup, bonne chance. Tu as pris un bout de bonhomme de neige. What I am doing, but I'm in the peace of me, I can... D'accord, bon, en tout cas, il a l'air sympathique pour l'instant. Je pense qu'après, il va nous attaquer, mais ça, c'est après, donc c'est une chose sur laquelle on va s'attarder plus tard. Donc voilà, on a un bout de bonhomme de neige. Ah merde! Oh non! Mais je voulais pas le manger, je voulais l'analyser! Oh putain, je suis désolé! Excuse-moi. Voilà, il m'en a redonné un, je crois. Ouais, voilà. En fait, ça restaure tous les points de vie quand on mange le bout de bonhomme de neige. Non, je suis désolé, hein, je voulais pas le manger, là, c'est ce connard. Et hop! Voilà, papyrus, yes! Tu es vraiment si flemmard. Je crois que c'est flemmard. Ah, napping, je sais pas ce que dire. Tu fais quelque chose toute la nuit. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, oui. Dormir. Excuse. Oh, c'est un humain qui arrive. Je t'avais ordonné de te stopper, mais... Mon bro et moi... avons créé... des puzzles. Je pense que tu vas trouver celui-là. Voilà. Pour toi, voir, c'est... l'invisible. Electricity Maze, je sais pas ce que ça veut dire. Quand tu touches les murs de le maze, je sais pas ce que c'est, maze, l'orbe va administrer un zap de cœur, donc j'imagine ça va nous enlever des points de vie. Sound like fun, en gros, ça a l'air marrant, n'est-ce pas? Parce que le nombre de fun que tu vas avoir est actuellement plutôt petit, je pense. Ok. Maintenant, tu peux aller de l'avant maintenant. Ah oui, effectivement, c'est marrant. Ah, j'aime beaucoup. Sans, qu'est-ce que tu as fait? Je pense que l'humain a... Je pense que l'humain doit prendre l'orbe, en fait. Ah, oh, ok. Prends-le, s'il te plaît. Ok, maintenant, essaye. En fait, pour vous résumer un peu la situation, il y a des murs invisibles, et si je me prends les murs invisibles, l'orbe, elle crée une décharge, elle fait une décharge à celui qui la porte. Donc avant, c'était lui, donc il s'est pris la décharge. Là, il me l'a passé pour que c'est moi qui prenne la décharge, sauf qu'en passant, il a laissé les traces qui me permettent, en fait, de faire le chemin sans prendre de dégâts. Et pour être tout à fait sincère, j'aimerais bien savoir ce qui se passe si je me prends un dégât. Donc disons, si je me prends un dégât, qu'est-ce qui se passe? D'accord, si je me prends un dégât, ça fait ça, ok. Donc voilà, je vais faire ça, hop. Incroyable! Wow! Comment tu as fait? Tu l'as résolu vraiment tellement facilement. Beaucoup trop facilement. Bon, peu importe. Le prochain puzzle ne va pas être facile.
Il a été fait par mon bro Sans. Tu vas sûrement être confounded, genre confus ou un truc comme ça. Je sais, je suis. Nyehehe. Ok. Oh bah tiens, je peux passer à travers cette fois. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Hey, thanks. Il dit, hey, merci. Hey, mon frère a l'air de vraiment s'amuser. D'ailleurs, au passage... T'as dû voir les vêtements nuls qui portaient. Nous l'avons fait quelques semaines en arrière pour un costume party. Il ne porte... Non, il ne... World, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être qu'il a rien porté depuis. Continue de l'appeler Battle Body Man. Et est-ce que mon frère n'est pas cool? si, plutôt. Ouais. Bon, une roche. Je peux pas interagir avec. Un hot dogier. Alors, en gros, c'est quelqu'un qui vend des trucs, il dit « Ouais, bonjour, est-ce que tu veux de la nice cream ?» Ah, pas mal. En gros, c'est un jeu beau, genre, je sais pas si vous avez compris, mais... Nice cream, c'est genre... De base, c'est ice cream, la glace, et là, c'est nice cream, c'est... Petit jeu de mots. Enfin, bref. Ah, je vois qu'on a de la place d'inventaire, mais on peut seulement porter 8 choses, on est déjà à 7. Oups. Ah, c'est à ça qui sert le coffre, du coup. Parce qu'on a une place d'inventaire limitée, ok. Il dit, waouh, les glaces, ça vous réchauffe le cœur. C'est juste 15 gold, la glace. Bah écoute, pourquoi pas. Ah, tiens. Et une magnifique journée, yeah. Et là, j'ai récupéré la glace. Okay. Comment on fait pour avoir l'info à propos ? Info, c'est quoi ? Ok, d'accord. Ice cream, info. Nice cream, ça restaure 15 PV. À la place d'une blague de... Wrapper dit quelque chose de gentil. D'accord, donc Nice Cream, c'est... Ça peut être pas mal, en vrai. Attends, je voulais quand même lire... Snow Peace, info. Ça restaure 45 points de dégâts. Et faut que je le porte jusqu'à la fin du monde. Enfin, jusqu'au bout du monde. D'accord, bon, je vais juste retourner... Là-bas... Je vais déposer mes... Ah, je peux plus sonner. Mais non, c'est nul ça. Bon, bref, du coup, je vais juste déposer des trucs dans le coffre. Étant donné que je savais pas qu'il y avait une place de limitée de l'inventaire. On dépose, on garde. On dépose, on garde, et on garde. Voilà. Hop.
Voilà. Oh, bah dis donc. Des gros pixels, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop génial. Ouais, ça, ok. Bon, juste avant, je vais regarder ce qu'il y a en bas. Oh non! Oh non, la boule de neige, elle rapte ici. Yes. Violet! Alors, quand tu te sens attrapé, non, quand tu te sens piégé, tu prends des notes et des archives. J'ai gagné 2 gold, d'accord. Attends, il y a Sans ici et là aussi? Il y a deux fois Sans, mais what the fuck, comment... Quoi? Comment c'est possible? J'ai pensé à vendre aussi des threads. Ah, aussi des threads, ok. Est-ce que tu veux de la neige? C'est juste 5 gold. Non. Ah, c'est vrai. Tu devrais. Je suis pas très bien compris, mais voilà, on n'a pas acheté la glace. Enfin, pas la glace, c'était la neige qui vendait. Lui. Et elle. Enfin, il et elle. D'accord. La neige fond, le bonhomme de neige blanc, writing, je sais pas ce que ça veut dire, peut devenir jaune. Une odeur, puppy blue, writing, smell of falling alone. Une odeur étrange, humain vert, écrit en rouge. Je comprends pas. C'est pas grave. Lui il me dit quoi? Bon, je vais pas acheter son truc parce que j'ai trop la flemme. Hop, on continue. Ah, je vais remettre un. Un panier peut-être. Oh chier. Ah là c'est vert. En gros, plus la balle devient petite, plus on gagne d'or.
Toujours 4 gold. Et si je trouve un intermédiaire pour trouver 2 gold, ça sera rouge, je crois, non? Ça me rappelle un peu Rocket League, ça. Et hop. Non, ok, bleu. 2 gold, d'accord. Bon voilà, je crois qu'on les a tous faits. Et étant donné qu'on a gagné pas mal de money, on va lui acheter un truc. Ah. Elle a dit, ah ouais, je vais vendre un truc à 5 or. Est-ce que tu veux l'acheter à 50, en fait? Non. Vu que je suis joueur, j'ai envie de l'acheter. Oui, je vais acheter. D'accord, donc en gros, à chaque fois, il me demandait d'acheter, il rajoutait un zéro derrière. Et après, il voulait me le vendre à 50 000, il fait « Ah, t'as pas d'argent ?» Bon, bah, pas d'argent, pas de neige. D'accord. Humain, j'espère que tu es prêt pour... Sans, où est-ce que t'as mis le puzzle? Eh, c'est juste ici, sur le sol. Ah, crois-moi, hein, fais-moi confiance. Il n'y a pas de moyen qu'il passe cette épreuve. Eh, hey, Sans, il regarde même pas l'épreuve. Oups. Ok. C'est des mots croisés. D'accord. Ok. Ok, donc en gros il nous a fait un puzzle pour bébé. Et moi j'ai même pas regardé, je suis parti direct. Oh, papyrus. Trouve la difficulté dans des endroits intéressants. Hier j'ai attrapé cette... Non, hier il a... essayer de écraser quelque chose ou de le résoudre. L'horoscope. D'accord, il a essayé de résoudre l'horoscope. Intéressant. Ah, point de sauvegarde. Bref, on va quand même voir ce qu'il y a marqué ici. C'est une note de papyrus. Humain, s'il te plaît, déguste ce plat de spaghetti. Est-ce que tu sais que les spaghettis, c'est un piège? En gros, il dit que c'est une piège, il dit que c'est un piège, mais qu'on le devinera jamais. D'accord. Je vais juste sauvegarder avant. Allez. C'est un plat de spaghetti tout froid. C'est tellement froid que... Que bah c'est froid quoi. Ok. Toutes les options, il y a sur toutes les options, il y a marqué que c'est du spaghetti. Ok. Il y a une souris ici. D'accord.
D'accord, en gros, il nous a fait le plat de spaghetti pour dire en sorte que on, tellement on va manger les spaghettis, on va pas remarquer qu'on perd notre temps, et du coup on va pas avancer, d'accord. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Et bien, j'espère qu'il vous aura plu, il serait sans doute un peu plus long que l'autre. Mais en tout cas, il était quand même pas mal, je vois bien. Oui, moi ça m'a plu, donc j'espère que cette série continue de vous plaire. Sur ce, moi je vous dis, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et surtout, n'arrêtez jamais de rêver, à plus dans le prochain épisode. Allez, bisous.